C'est la première réforme de société du gouvernement. Mais 13 ans après le PACS, la classe politique reste très divisée sur le mariage homosexuel, vu que cette fois-ci, il est aussi question d'enfants. Face à l'opposition des milieux catholiques conservateurs et de la droite, le vote de la loi a été décalé à janvier pour laisser plus de temps au débat. La majorité, elle, dans son ensemble, soutient le mariage homosexuel et le fait que les époux puissent adopter l'enfant de leur conjoint. Toutefois, la procréation médicalement assistée, qui fait débat aussi au sein de la gauche, sera a priori examinée dans une autre loi. Les principales associations homosexuelles fustigent donc une loi à minima. Les églises, elles, ont toutes exprimé leur opposition. Pour le cardinal Philippe Barbarin, évêque de Lyon, le mariage ouvrirait la voie à la polygamie et à l'inceste. Certains maires hostiles demandent déjà un droit de retrait pour ne pas célébrer ces mariages. Leur collectif revendique une douzaine de milliers de signatures. Enfin, le 17 novembre, une nouvelle série de rassemblements sera organisée dans tout le pays contre l'homoparentalité. Selon un dernier sondage, 58% des Français sont favorables au mariage homosexuel contre 63% l'an dernier.